Zakken maïs van 100 kilogram op de rug. Deze maïs komt van het platteland. Het zijn de boeren uit Bongo die de maïs hebben geoogst en nu op de overdekte markthal in Kananga verkopen. Zo werken ze aan een betere toekomst voor henzelf en hun dorpsgemeenschap. En dit geld is de opbrengst. Daarmee kunnen ze nieuwe plannen realiseren. Bongo ligt in het hart van Congo in de provincie West-Kasai, ten noordwesten van Kananga. We rijden 9 uur om Bongo vanuit de stad te bereiken. 9 uur om een afstand van 260 kilometer af te leggen. Vroeger reden hier vrachtwagens, maar dat is nu onmogelijk. De enige andere toegangsweg is de spoorlijn. Vandaag willen de dorpsbewoners een beter leven, maar 10 jaar geleden was het hier in Bongo nog helemaal anders. Toen heerste er hongersnood. Dans le temps. Il y avait la carence de maïs. Au moment où vous vous trouvez ici, on ne pouvait pas avoir de maïs, même pas les vrais foufous à vous donner. Pourquoi? Puisque on défrichait de petites superficies. Arrivé au mois d'août, il y avait déjà carence de maïs. D'où les enfants étaient kwashiorkorés. Il y avait de mortalité, et tout ça. De boeren namen het heft in eigen handen. Onder impuls van Stanny, zelf landbouwdeskundige, stichten ze de boerengroep Codebo, een van de leden van UOPCM. Ze zijn ervan overtuigd dat de plattelandsdorpen zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen. En daartoe nemen ze initiatief. Quand on est seul, un champ d'un hectare peut être travaillé pendant 30 jours. Quand on est en groupe, on le fait en une seule journée. Voldoende maïs produceren om de hongersnood tegen te gaan was een eerste stap. Maar de boeren zagen het grootser. Ze zouden hun maïs verkopen in de stad om winst te maken. En de winst zouden ze investeren in de toekomst van het dorp. Naast de maïs telen de boeren ook nog andere gewassen, onder andere arachidenoten. 2 dagen per week werken de leden van Codebo op de gemeenschappelijke velden hun bijdrage aan de gezamenlijke projecten. C'est d'abord la volonté. On ne le force pas, on n'a pas de militaires derrière nous pour dire non, allons au champ, puisque non. Le champ collectif, c'est un champ d'abord qui invite la volonté de tout un chacun. De boeren verwerken de maïs van hun laatste oogst. Vroeger kochten opkopers die op tegen een te lage prijs. Nu kunnen ze de maïs zelf naar Kananga transporteren en krijgen ze er een betere prijs voor. Le maïs n'est pas vendu à cet état. On les dégraine, pour être vendu. Quand on égraine, on met dans les sacs. Quand on met dans les sacs, on expédie pour la gare. C'est-à-dire, on va charger dans un wagon et le wagon va à Kananga, c'est à Kananga où on va vendre le maïs. De maïs naar Kananga krijgen was het probleem. Met de steun van broederlijk delen werd het hele transport mogelijk. Nous avons le vélo ici que nous avons eu de la part de BD. Juste pour charger le maïs sur le vélo, pour aller le déposer en gare et les expédier pour Kananga. C'est 100 kilos que nous chargeons par sac, selon les instructions de l'IOPSM. S'ils prennent plus de 100 kilos, les vélos ne feront pas longtemps. Ça fait 8 kilomètres avec cette charge. C'est beaucoup. Bon, c'est compte tenu des moyens que nous avons. D'ailleurs, dans les temps, quand on n'avait pas de vélo, les agriculteurs prenaient des maïs en petite quantité sur la tête. Sur ce point, le peuple congolais s'est toujours montré très inventif. C'est un peuple qui a défié toutes les barrières, n'est-ce pas, que l'État, à cause de sa faillite, a mises sur son chemin, et pour trouver des solutions de réchange. Het station van Bongo. Hier gebeurt de laatste klus. De maïs die de boeren in Kananga willen verkopen, kan daar enkel geraken per spoor. Het geld voor een wagon wordt door broederlijk delen geleend. $1000 per wagon. Na de verkoop van de maïs betalen de boeren de lening terug. Le règne de l'arbitraire va bientôt prendre fin. Le règne de la violence va prendre fin. Nous pensons finalement construire un pays de paix. Un pays de bonheur, un pays... où il fait beau vivre. Je suis convaincu qu'avec la dynamique que nous sommes en train de créer au niveau de la base, dans 10 ans,
le Congo sera un autre pays. Plattelandsontwikkeling, mensenrechten en democratie. Dat zijn de plannen van de mensen in Congo. Broederlijk Delen ondersteunt de plannen met geld, maar ook met politieke en morele steun.